Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 12e épisode de mon Let's Play sur le jeu Age of Mythology Extended Edition. Et donc on arrive tout doucement à la fin, je pense qu'on est dans les derniers épisodes, et on va du coup essayer de faire tomber ce cyclope. Allez, c'est parti. Ah bah voilà, le titre, allons-y, ça veut tout dire, on va y aller. Et le pop-up. Nous devons récupérer la relique d'Osiris avant de partir. Vite! Les troupes de Gargarensis et Khemsid vont bientôt arriver. Nous avons encore des alliés ici. Seth ne fait pas l'unanimité. Oui, j'ai des amis ici. Ils nous aideront. Je me suis occupé des moyens de transport à la sortie de la prison. Nous devons rester ici jusqu'à leur arrivée. D'accord, donc on est encore dans la prison. Et il faut qu'on sorte de là. D'accord, tenez jusqu'à ce que les unités de transport de Satna arrivent du sud-ouest. Là on a quoi? Citadelle, fléau des serpents et prospérité. D'accord, donc j'ai une tortue. C'est tout? Ah, c'est pas à moi en face. D'accord, je sens que ça va débarquer. D'accord. Alors. Là, ça me paraît bon. On va prendre ça, on va prendre ces unités rapidement. Il faut qu'on descende jusque là. D'accord, donc là c'est... Je suppose complètement plein, non? Tu veux pas, tu veux juste pas qu'on monte dedans? Alors, ok. On va essayer de, du coup, de descendre. En espérant que ça passe. Alors, on va déjà essayer de regarder un petit peu ce qu'il y a devant. On va essayer de faire suivre gentiment les navires de transport pour éviter qu'ils soient tout seuls. On va s'y diriger, hein, tant pis. Ah, c'est vaisseau pirate. Qu'est-ce que fait la tortue? Des pirates dans notre sillage. Ok. Donc ce vaisseau pirate, c'est bon. On fait suivre. Ah, rebateau pirate. Qui se fait balader. Ok, ça m'a pas l'air très compliqué, hein. Alors je suppose qu'après il va y avoir la suite, évidemment. Mais jusque là, c'est pas très très compliqué. Ok, c'était même pas compliqué du tout. Mais peut-être que du coup on aura pour une fois une carte surtout basée sur la flotte. Et ça peut être vachement intéressant. C'est bon, t'as tout... Ouais, ils ont tout déchargé. Bienvenue, Arcanthos. Ah, ok, toute la carte. Pense nos faibles ressources. Nous vous aiderons à récupérer la relique d'Osiris. D'accord, faut aller chercher ça. Ok. Ouais. On peut pas passer par là, évidemment. Khemsid déplace sans cesse cette réplique d'Osiris pour la protéger. Elle bougera encore. Il veut la déplacer où? Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait du coup là? Il faut que... Bah, oui. Il faut que je m'occupe de ça. Donc, oh la vache! J'ai pas assez de moutons, on va dire. Allez, c'est parti. Je vais, comme d'habitude, mettre en place le petit système de péons et puis ça devrait aller. Allez, je vous retrouve dès que j'ai fini. Bon, alors, j'ai setup tout le bousin, comme d'habitude. Seul petit souci, c'est que j'ai vraiment, vraiment pas du tout de population. Et du coup, ça va être un petit peu compliqué, je sens. Ça va être légèrement compliqué, parce qu'il va falloir que j'aille chercher la relique. Ouais, il va falloir que j'aille chercher la relique. Bon, j'espère qu'au bout des 3 minutes, elle est juste déplacée ailleurs sur la carte. Les pirates ne pourraient peut-être pas entrer dans la baie. Ah. Ouais.
Enfin, en fait, on s'entend un peu parce que ce qu'ils envoient, c'est pas très compliqué. En fait, ils envoient un peu de temps en temps des gens, mais c'est pas ce qui est le plus compliqué. C'est pas ce que j'arrive à gérer sans trop de soucis. Le petit problème derrière, c'est clairement. Je vais mettre ça. Ah ouais, j'ai oublié de mettre ça en protection. En espérant qu'il me tue pas. Je sens qu'ils vont m'en tuer un ou deux. Oh là là. Mes unités de combat sont complètement éparpillées. Ok. Alors là ça va, c'est un vaisseau pirate mais il arrivera normalement pas à destination. Voilà, c'est bon. Donc il faut qu'on attaque, on va devoir attaquer par là je pense. Ce qui me fait chier c'est que je pense que dans 2 minutes on pourra plus y accéder. On va voir ce qui se passe. On va voir ce qui se passe. Déjà je vais faire en sorte qu'il y en ait un peu plus de protection. Et sinon ils sont retournés au taf. Ils sont retournés au taf. Ok. Donc moi je vais améliorer un petit peu mes unités rapidement. Parce que sinon on va pas y arriver. Je vais sans doute faire des fermes soon. C'est vrai qu'il va falloir que je passe au travers de tout ça. Bon. On va voir ce qui va se passer au bout des 1 minute 20. J'espère que ça va bien fonctionner. Moi ce qui m'embête vraiment par contre, déjà je vais mettre ça en groupe. Ce qui m'embête vraiment c'est de pas avoir assez de population. J'ai juste envie d'aller m'attaquer à là-bas, mettre un nouveau forum de manière à pouvoir ouais, on va peut-être faire ça d'abord. Je pense qu'on va faire ça. En fait, ce que je vais faire, je vais aller m'attaquer à ce qui est là-bas, à l'aide de... Non, j'ai pas assez de... J'allais dire d'unités de siège. On va peut-être créer des unités de siège. Je vais aller m'attaquer là-haut, je vais faire un deuxième forum, ce qui va augmenter la quantité de population disponible. Max disponible. Et ensuite, je vais pouvoir m'attaquer au reste. Je pense qu'on va pouvoir faire ça. On va pouvoir faire ça, parce que de toute façon, en termes de ressources, ça va bien, même si j'ai un petit souci là, parce que la nourriture va bientôt être tarie. Ouais. Je vais faire encore quelques unités, en espérant que j'ai juste un petit peu assez pour faire des engins de siège. Normalement, ça devrait aller. On va essayer ça. Et puis dans l'idée, si je pouvais péter le phare, ce serait bien aussi. Même si ça m'étonnerait que j'y arrive, ça serait bien aussi. Pas si vite, Arkantos. Cette relique est à Kempsit. Ok. Donc en fait, il utilise des sables mouvants et il la déplace. Il l'a foutu là, au milieu d'un sacré bordel. Donc effectivement, je vais peut-être avoir vraiment, mais vraiment besoin de plus d'unités. Je pense qu'on va aller... On va aller directement. On va laisser une ou deux unités au cas où. Bah ça tombe bien. Voilà. Ça gère. Ensuite je vais refaire... Je vais faire un monument qui génère des faveurs. Moi ça ira bien. Allez, on va s'attaquer à ça. Yeah. On va lui péter des villageois, lui couper ses ressources. J'ai fléau des serpents disponibles, mais c'est pas ce que je veux, je pense, en prio. Je lui ai pété son héros. On va aller casser le reste. On va casser cette bestiole qui fait vraiment mal. On va lui pourrir ses unités, pourrir ses ressources. Shit. Ils sont passés, même si je pense que ça devrait gérer. Ah. Alors, on va finir ça rapidement. De toute façon, il m'attaque même pas. Oh si, il m'attaque, mais tout doucement. Alors, on va finir ça rapidos. Est-ce que j'ai pas... Ouais, si, j'ai des éléphants de guerre. Voilà, ça va.
Ah merde, vous foutez plus rien. Hop. Alors on va finir ça. J'ai vraiment plus d'unité en fait. Je me suis rendu compte que ils m'ont tout défoncé. Il me reste que les unités mythiques. Ils m'ont pété toutes mes unités de base. Les éléphants arrivent, donc ça devrait aller. Ok, ok, ok. Qu'est-ce que je voulais faire? Il y a trop. Encore un nouvel éléphant. Ok, ça a l'air de passer. Voilà. Allez, maintenant, on pète le reste. Pétez-moi ces bâtiments, ça devrait aller vite. Par contre, pourquoi vous êtes allé aussi loin? Les héros, pétez-moi ça, ça va aller plus vite. On va péter ce bâtiment-là. Bon. Là, on est plutôt pas mal parce que du coup... Bon, il reste quoi? Un marché, il reste ça qui permet de générer des créatures. Ouais. Bon, voilà. On est bien. Il y a une relique ici en plus. Il y a une relique. Alors, à partir de là... Putain, c'est vrai que vous foutez plus rien depuis 3 milliards d'années. Vous êtes 11. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10 et 11. Toi, tu fous rien, tu vas construire un nouveau forum. Là, on va défoncer ça gentiment. Là, il y a une armurerie. Tiens, faudrait que j'en fasse une d'armurerie. Ok, donc là, ça construit bien. Normalement, ça va aller vite. Ça va augmenter les ressources issues du Nil. Après, en termes de ressources globales, je suis vraiment très bien. Il n'y a pas de souci. Donc là, ils vont continuer de tout détruire gentiment. On va essayer. Est-ce qu'on peut pousser? Ouais, pousser jusque là-bas, ça me paraît un peu compliqué. Là, ça va. Ça a l'air de gérer. Mais je pense qu'il faut. Ouais, il faut que je refasse des unités. De toute façon, dans tous les cas. Ça gère. Djoser 2, donc c'est un pharaon lui. Bon, ça a l'air d'aller. Ils sont même très à fond. Très 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 à fond. Bon. Maintenant que nous avons ces unités, enfin qu'on a pris le contrôle d'ici. D'accord. Si vous avez envie, vous pouvez finir ça. Il faut qu'on construise cette colonie et que je refasse une petite armée. Bon, je vous retrouve du coup dès que j'ai fait mon armée pour aller attaquer et réduire leur chez eux en cendres. Bon, là j'ai envie de dire on arrête de déconner. Je viens de passer à l'âge mythique, j'ai augmenté au maximum la capacité d'unité. Là, il est temps pour nous d'attaquer. Alors, j'ai réussi à en caler pas mal dans celui-là. S'il vous plaît, essayez de vous organiser. Je peux en caler 20 par bateau. C'est tout? Oh la vache, je pensais avoir besoin de plus de bateaux que ça. La relique est ici, donc c'est pas franchement à côté, mais il y a moyen du coup, avec notre armée, on puisse raser dessus. Surtout que maintenant j'ai la météorite. Voilà. Oula. Il y a un peu de monde. Alors, je pense qu'il y a moyen de plus décharger. Voilà. Alors, par contre, toi, t'es pas obligé d'y aller. Voilà. Maintenant qu'on a ça, le tout, c'est d'arriver à avancer au bon endroit. Genre, là, c'était pas le meilleur. Par contre, là, on va avoir besoin de tout éliminer. Du coup, autant y aller. Ou alors, très efficace contre les bâtiments, je lance ça là. Boum! Putain, mais ça défonce bien. Hein. Je
juste en train de te casser. Hop, on va appeler les serpents. Peut-être pas, on va le garder au cas où. Alors là pour l'instant ça passe. Ah par contre je suis vraiment très très cher. Les détruire ce bâtiment vite. C'est moi où on s'est fait défoncer la figure. Bon, j'ai pas l'impression d'avoir fait le meilleur move quand même. Ouais, j'ai quand même l'impression d'avoir un peu chié dans la colle. Ouais, bon, alors. Je pense qu'il faut du coup qu'on se réorganise un petit peu. On a détruit tout ça, donc ça c'est bien. Bon. Où sont mes héros? J'ai pas de héros? Vous avez pas envie de venir en fait, vous? C'est peut-être pour ça que je galérais. Bon, déjà, on va refaire des unités, hein, bien évidemment, parce qu'on va tout perdre. Hop, j'ai peut-être pas assez pour les unités mythiques aussi. Un phénix ? Wouah ! Et le pire, c'est qu'ils continuent d'avancer, hein, cette bande de chacals. Bah non, c'est des éléphants, mais ils continuent d'avancer. Je crois que j'aurais même peut-être pas besoin. Ça peut paraître bizarre, mais je crois que j'aurais même pas besoin d'aller... d'aller refaire des unités. Parce que si on attaque directement ça avec les éléphants, ça se trouve, il y a personne de l'autre côté. Hein. Et auquel cas... Ouais, s'il y a quand même 2-3 anubits ici, ça risque d'être un peu compliqué. On va quand même refaire des unités, hein, évidemment. Ok, on va commencer par ça. Le phénix a été fait. Oh là là. Nous devons nous battre jusqu'à la porte sud. Alors. Peut-être que du coup on n'aura pas besoin. Je sais pas. Ça m'étonnerait. Les éléphants, c'est solide, hein. Dis donc. Hop, on va en refaire un petit peu, quelques unités. Ah, voilà, on est au maximum. On va ramener les bateaux. Et on va réattaquer une nouvelle fois. Déjà, on va faire venir ça, si ça se trouve, ça va passer. On va aller se balader par là et je pense qu'on va aller faire venir la petite troupe d'un coup. Alors, le phénix, déjà, c'est cool qu'on ait un phénix. On va essayer de voir par là. Ok, j'ai plus de... Vous restez caché. Ça peut être bien que vous restiez caché. Alors là, on va y arriver. Normalement, je dois avoir bientôt tout. Ouais, bon, on va dire que j'ai tout. On va tout faire rentrer là-dedans. Oula, oula. Voilà. Du coup, ça va pouvoir me donner la vision. Alors là, c'est bon. Toc, rentrer là-dedans. Putain, il y a encore ça. En fait, mon phénix, il sert absolument à rien. Si, à la limite, il peut détruire les anubites. Mais pour la suite, je vais avoir besoin d'aide. Bon. Allez, on y va. On va essayer de finir ça. T'es pas obligé d'avancer, mon coco, hein. Là, tu viens juste se suicider. Alors, faut qu'il vite qu'il se régénère avant de se faire buter. Ça me coûte la blinde, mais il devrait pouvoir se régénérer. Et bim!
Vous n'êtes pas obligé d'y aller. Vous n'êtes pas obligé d'y aller. Bande d'abrutis. Restez pas sous le feu des attaques ennemies. Oh là là. Pas très très intelligent hein, tout ça. Là ils sont en train de refaire des unités. Allez, on avance. On va directement suivre sur la même ligne. Alors là, normalement, on a des unités mythiques. Les scarabées devraient éviter de nous faire trop de mal. Bon, tant pis, je crois que j'ai perdu mon phénix. De toute façon, on va rouler dessus. Gentiment, passant par là. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Ça a été compliqué, mais on va y arriver. Je pense qu'en plus difficile, le jeu, il doit être... Enfin, cette partie-là doit être vraiment compliquée. J'ai plus assez d'énergie pour relancer le phénix, tant pis. Ok. Et là, on va faire venir ça, gentiment, jusqu'ici. Tac. Et là on va y aller. Ça devrait être bon. Eh ben ça aurait été un peu compliqué hein. J'aurais un petit peu bourriné à coup de météorite. C'est super fort en vrai hein. C'est vraiment très très fort. Bon là ils m'attaquent là. Ouais, ils sont en train d'empiler les lézards qui tirent des lasers ici, je sais pas, ils sont bloqués par le mur, ils peuvent pas le détruire, du coup, bah, ils attendent comme des abrutis. Allez, s'il te plaît, le pathfinding de mes couilles. Oh là 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 là. Bon. Ça y est, la porte fortifiée va être éliminée. Encore, il n'y a plus personne qui bosse, c'est pas grave, de toute façon, je viens de finir. On va y arriver. Allez. T'es v'là lent quand même, comme bestiole. Hein. Vitesse 1,5, mais les unités de base, elles sont à combien? Vitesse 4,3, ouais, d'accord. La vache, pas trop tôt, on a fini par y arriver. Ouh là là. Bon, bah du coup, la suite sera dans le prochain épisode, parce que ça fait un bout de temps que j'enregistre, moi, de mon côté. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne, évidemment, à me suivre sur Twitter, à venir rejoindre le Discord de la communauté, et puis voilà. Allez, salut tout le monde, portez-vous bien.